si vous entrez dans mon cœur pour voir ce qui est dedans vraiment. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. C'est une obligation pour moi vraiment de conclure l'histoire qu'on a débutée depuis. Donc pour ceux qui suivent l'histoire depuis le début de cette maman, nous avons ensemble inscrit tous les enfants totalement, payé les fournitures ainsi que les tenues scolaires. Il était donc question de lui créer un petit espace commercial. Donc dans cette vidéo, vous allez voir le début jusqu'à la fin, comment on s'est battu à notre niveau avec le peu de moyens qui restaient à lui créer un petit espace commercial. Ce n'est vraiment pas encore chargé parce qu'il n'y avait plus de moyens. Mais déjà, merci pour le premier pas parce qu'elle-même, elle va se battre pour charger. Le plus dur était l'emplacement et comment dirais-je, le kiosque. Ça nous a coûté un peu, hein, presque un demi-million. Donc, merci à tous ceux qui ont participé, qui ont contribué, qui ont, je ne sais pas comment vraiment dire, tous ceux-là qui ont fait confiance à Franco. Je ne vais jamais vous décevoir. Là, croyez-moi, merci, ils vont parler, mais vous êtes là toujours pour aider ceux qui sont dans le besoin. Merci infiniment. Regardez attentivement la vidéo et à plus. Je félicite alors, il faut la suite. Quand tout le monde a ses mains comme ça, là, on va passer la journée à regarder le kiosque comme ça. Là. Ce n'est que le matériel qui fonctionne. Soutien à la jeunesse, Cole Mignon. Je suis fan de toi depuis longtemps, Cole Mignon. Car tu es un homme de parole franco, Cole Mignon. Tu donnes l'amour à tous ceux opprimés. Continue comme ça, mon frère. Tu vois tout ce que tu fais. Parole suffit. Bon frère, bois le vin. C'est le vin de quoi? Et qui est le gars parle que le patois? Nous, on a fait le travail. Ouais. Voilà, ce sont les soudeurs, les gars qui ont soudé le kiosque comme ça. Oui, oui. Après avoir fait ce travail, celui qui viendra dire que les charançons au quartier vont faire comme ils veulent. Ouais. C'est leur problème. Tout à fait. Et ce qu'elle va faire ici sera une réussite. Même si c'est le bonbon qu'elle vend, ce bonbon, ça va en amen. 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 Voilà, la mère, tu as compris? J'ai compris, je ressens au nom de Dieu. Voilà. Hein? Tu es maçon ou tu es technicien? Technicien, c'est ça, tout. Tu as fait tout. Ok. Voilà, les gars, je suis. C'est la fin. Voilà ce qu'on. On s'est battu à faire avec ce que vous avez donné. Vous pouvez voir l'extérieur et l'intérieur là. Bon, la mère, tu as quelque chose à dire à tous ceux qui t'ont soutenu? Je vous dis merci pour ce que vous avez pu faire pour moi. Que Dieu vous bénisse, qui multiplie les sources de vos revenus, qui vous donne au sanctuaire. Ok. Merci beaucoup.
Super. Beaucoup de courage, bonne chance pour que tout ce que tu vas faire ici là soit prospère, que Dieu soit avec toi. Ok. Bon. Ciao. Chers Benguis, désormais faites comme Franco quand vous arrivez au pays. Lavez vos habits chez Mr. Clean. Mr. Clean est le meilleur pressing dans la ville de Yaoundé. Désormais, pour tous vos problèmes de ménage, les chaussures, les habits, les moquettes, les tapis, dirigez-vous directement chez Mr. Clean. Mr. Clean est situé à Ngousso, face Total, à Emana, face Mesafi, à Bastos, Carrefour, Moto Georges, village des jeunes au niveau d'Etetat, Biemassi, immeuble Express Union. Oja, avant l'entrée du collège Adventiste. Kwaban, avant Santa Lucia, venant de Mimboman. Abia, descend pharmacie du soleil. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.